Salut, c'est Grumly pour Culture FPV. Aujourd'hui, on va apprendre... Le side spin. Pardon, le side spin. C'est parti. Alors pour faire un side spin, comme beaucoup de tricks en freestyle, on va commencer par donner un coup de gaz pour donner l'impulsion au quad. On bascule à 90 degrés à peu près sur l'axe roll. On pousse le pitch pour faire un tour complet. Remise à plat du quad et remise des gaz pour continuer dans le sens de la marche. J'aime bien cette figure parce qu'elle permet pas mal de variantes. Par exemple, si on fait qu'un demi-tour sur le pitch, avec un bon coup de gaz à ce moment-là, en gros on fait l'éject que nous a montré Jitrou dans son tuto freestyle. Voilà, comme ça. Voilà, ici j'ai pas donné assez d'impulsion avec le gaz avant de commencer. Du coup j'ai perdu trop de vitesse et d'altitude et à la reprise des gaz c'est pas très joli. Voilà, là c'était déjà mieux. Vous verrez que cette figure, il n'y a pas besoin de la réaliser parfaitement pour qu'elle rentre pas mal sur une vidéo. Même si on n'est pas 90 degrés pile poil sur le roll, ça rendra quand même quelque chose de pas mal. Vous voyez qu'en donnant juste un demi-tour sur le pitch, c'est quand même un trick qui est pas mal pour partir en backward. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est remettre une impulsion avec le gaz pendant que vous pitchez. Ça rend encore mieux. Hop là. En mode smooth, ça marche bien aussi. Au début, je vous conseille plutôt de le passer avec pas mal d'altitude. Mais une fois que ça commence à bien rentrer, vous pouvez le passer entre deux obstacles ou au ras du sol. C'est comme ça que ça rendra le mieux. Je vous laisse avec quelques enchaînements pour la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous aurez appris quelque chose. C'était Grumly pour Culture FPV. À bientôt.